J'ai raconté ma journée à papa, que j'étais tombé mais que c'était pas bien grave, un bobo et qu'on m'avait guéri avec un petit coup de sparadrap. Je crois qu'il ne m'écoutait pas, je crois que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon, si j'avais fait pipi dans un violon. J'ai voulu m'entretenir avec ma maman au sujet de mon anniversaire, tout ça, des cadeaux, des bonbons, des ballons, mais voilà, je crois qu'elle ne m'écoutait pas, je crois que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon, si j'avais fait pipi dans un violon. Ensuite j'ai voulu discuter avec mon papy qui est à la retraite et qui lui n'a que ça à faire, écouter un enfant comme moi. Je crois qu'il ne m'entendait pas, je crois que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon, si j'avais fait pipi dans un violon, si j'avais fait pipi dans un violon, si j'avais fait pipi dans un violon. Entre mon papa sur son ordinateur et maman sur son portable, bleu et papy sourd, qu'est-ce qu'il y a entre tout ce beau monde? Eh bien il y a moi et mes histoires qui ne les intéressent pas. Je me dis, tiens, puisque c'est comme ça, je devrais faire pipi dans un violon, pour de vrai, pipi dans un violon. Je devrais faire pipi dans un violon, pour de vrai, pipi dans un violon, pas pour de faux. Pour de vrai, pipi dans un violon, pour de vrai, pipi dans un violon. Je devrais faire pipi dans un violon, j'attirerai peut-être leur attention.